feu. Hein. Tu as vu? Charmante. Hein. Ah ouais. Et encore, franchement, ceux qui ont pris mon téléphone, toi, ils m'ont enculé. Là. Ah ouais? Et en plus, j'ai pas mis de code dessus. Il doit avoir une liste de gadgets sur le téléphone. Même pas, je te raconte. T'as vu? On dirait une ruche, j'attire les abeilles. C'est un truc de fou. C'est pas comment elle s'appelle, Maya, hein, l'abeille. Ça, hein. Maya. Mais bon, il doit coûter cher, hein, là. C'est un gros diesel, ça. Ah ouais, écoute. Ah, bon. Non, non, non. Franchement, tu as assuré, tu m'as surpris. Là. Si t'as les sous, moi je te passe le numéro, tu t'arrangeras avec elle. Ah, faire un braquage. Non, quelqu'un de gentil comme toi, c'est pas de braquage. Ouais, non. Tout le monde peut sourire, normalement. Ça passe. Hein. Ouais. On le sent, qu'est-ce que ça fout? On ne voit pas un soleil au cabanon, nous, gros. Et là, c'est la gonzesse, vient boire un coucher de verre. Il y a la plage, la famille, les gonzesses. Eh boule, gars, le pas il est là. Tu gonfles la tête, ces astres, sa lune. Eh si bon, arrête tes conneries, viens boire un coup, cabanon, hein, gros. Non, franchement, Fanny, tu me plais trop. C'est réciproque, mon moi. Je t'en sers un autre? Avec grand plaisir, ma petite poupée. Tu sais, Fanny, moi j'ai envie de jeunesse, j'ai envie de fraîcheur. Et j'arrive plus à rien faire avec cette vieille croûte. Je suis un homme. Hein. Franchement, en ce moment, c'est dur. Hein. Le temps, il commence à être trop long. Oh, mon pauvre chaton, ça doit être difficile pour toi. Tiens, prends ton verre. Je te remercie. En plus, ma femme, elle croit que je la trompe. Donc, elle se fait des idées et elle fait pas d'efforts, tu vois. Elle s'habille pas, elle fait rien. Des fois, ça la va pas. Je comprends, ça doit être tellement difficile. Ouais, je viens d'en faire, je viens d'en faire. Voilà. Et c'est pourquoi dur. Tu la quittes pas? Elle me fait de la peine, elle me fait de la peine. Bon, en plus, j'habite chez elle. Et là, j'ai décidé que je pourrais pas aller plus loin. Oh, mon pauvre doudou, t'es tellement mignon en plus. Ouais, toi aussi. Mais moi, c'est une femme comme toi que je veux. Moi, plus ça va, plus j'ai des yeux sur toi, tu le sais. Franchement, sans déconner, tu me plais trop, t'es un charme fou. Alors, Bert, l'affaire que t'as eue, là, c'est les clopes là, qui t'a passé le mec là? Touché 50 euros. 50 euros? Ça vaut le coup. Ça vaut le coup, franchement. Hein. J'espère qu'il va revenir souvent, parce que tu vois, ça me permet de remplir un peu les caisses. C'est clair. Tranquille. Bah, mais pour fêter ça, resserre-moi un soleil et mets-moi un paquet de clopes, je vais les goûter comme ça. Okay. Je te dirai ce que j'en pense. Fanny, s'il te plaît. Je vous servir un soleil, merci. Alors, mais tu vois, on va dire ce que tu n'aimes pas. Ça va, ok. Hein? Puis écoute, à partir d'aujourd'hui, les colsos, tu peux plus, c'est pour moi. Et les clopes? Je les fais au plus, je les ai achetés. Ça va, franchement, ça me va. C'est normal, tu prends du service, attends. Ça va. Puis, juste un petit truc comme ça, la gonzesse, là. J'espère que tu vas conclure parce qu'elle est partie sans payer. T'as pas payé? Non. Je me suis même pas rendu compte, quand même. C'est pas grave. Cette fois-ci, c'est pour moi. Merci, Fanny. Bon. T'es parti conclue, hein. Ah oui, ça va, t'es calme. Bah, merci, en tout cas. Voilà, t'es calme. Pas de soucis. Qu'est-ce qu'on fait? Une invitation de dîner, ça te dirait? Je sais pas, Momo. Tu sais, ça fait pas longtemps que je sors d'une relation et je suis pas prête à m'investir avec quelqu'un, là, comme ça. Je t'en fous, on y va mollo. Voilà. Piano. Par contre, je pense qu'on peut continuer à faire connaissance, toi et moi. Donc, grosso merdo, la porte, elle est pas totalement fermée. Tu sais, Fanny, c'est un charme fou. Et tous les jours, tu vas prendre une décision, toi. Regarde la porte. Quelle décision, hein? Ça m'intéresse. Et ta porte à toi, c'est fermé qu'elle va rester, hein? Je te garantis. Chérie, c'est alors, pas ce que tu crois. C'est pas ce que je crois. Alors, comme ça, je te suce ta maudite paye et tu me quittes pas que je m'effondre. C'est la dernière, celle-là. Tu fermes ta gueule. Oh, c'est mignon. Tu finis ton toit, toi, tu la fermes aussi, pétasse. Y a plus de je t'aime qui tienne, hein? Mais je t'aurais jamais cru comme ça, Momo. Mais comment veux-tu que je baise avec toi, hein? T'es jamais à la maison. Et quand tu rentres, t'es toujours bourré. Ta gueule, maintenant, ta gueule. Je m'en gonfle. Non, je ferme pas ma gueule. En plus, tu te permets de brancher des petites jeunes. Non, mais on croit rêver, là, hein? Bon, alors, merde, encaisse-moi et garde la monnaie. Ouais, c'est ça. T'as vu comment t'es habillée? Oui, je suis habillée comme je peux. Ouais. Déjà, j'ai fait une macronade à tes cousins. Eh ben, j'ai pas 20 fini. Ans de plus. Je t'ai fait un grand plaisir. Tu me gonfle pas, ce que. Allez, ferme ta gueule, hein? C'est toi la poufiasse là! Non mais ça va pas? Non, ça va très bien! Tu crois que j'ai pas entendu là? Et que je minode et que je branche mon mec depuis tout à l'heure? Rien à voir. Alors tu la fermes et tu boulègues! Ça n'a rien
rien à voir. À toi, mon petit salaud. On va régler ça à la maison, hein. Je ne crois pas que tu vas t'en tirer comme ça, hein. Aïe! Oh, t'as les oreilles chaudes, mon bébé! Tous les pareils, bonne mère! Ah, merci, Yabara, pour le verre. Ouais, c'est ma poulet. Ça va, mère. Qu'est-ce que c'est? Ouais, excusez-moi de vous déranger. Ah, j'ai de gros problèmes, faut que vous m'aidez là. Christian, que tu cherches? Oh, mais pas dans la merde, pas dans la merde. Oh, il a une plaque de mouille sur la tête, là. Qu'est-ce qu'il a? Ne vous inquiétez pas, il n'y a rien de mal. Est-ce que je peux me blanquer, s'il te plaît? Moi, je crois que c'est le planquette ici, elle sort de mon bar, Fada. Je sors de là, sors de là. Ah, je peux pas! Attends! Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Nia Fada. Ben, Momo, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi t'as ta valise et tes affaires? C'est ta folle qui t'a mis à la porte? Ah ouais, c'est fini entre nous. Elle a pris la décision avant moi. Mais mon pauvre chou, tu vas faire comment? Bah, je sais pas, je vais téléphoner à Kamel, mon frère, on va voir s'il peut me loger. Enfin, s'il accepte. Hein. Et s'il accepte pas? Ah ben, je suis dans la mouise. Hein. Bah, tiens, d'ailleurs, je vais l'appeler. Je t'aurais bien logé, mais je peux pas. Avec mon petit studio, c'est impossible. Ah, c'est gentil, mais t'es toujours un amour, toi. Mais je vais appeler mon frère, on va voir. Oh, c'est ta barre qui regarde là-bas. Bon, Kim, je vois des traces de pas là. Je pense que le malfrat s'est infiltré dans le bar là-bas, au cabanon. Venez, on va aller voir s'il n'est pas là-bas. Qu'est-ce qu'il a fait ici, oh, il a fait un cambule, lui. Moi, je t'avertis. Si tu te chopes, je te tue. Sors. Oh, monsieur, s'il vous plaît, ne me laissez pas dans la merde. Allez, chut. Tu vas voir, chut. Je te connais. Ouais, allô, Kamel, ça va, frérot, tu vas bien? Ouais, je t'appelle, franchement, j'ai un grand service à te demander. Ça m'aurait étonné, ça. J'ai une adine à même devoir. Franchement, je sais pas comment faire. Si tu peux me loger tant que je me redresse, quoi, simplement. Je t'avais prévenu la dernière fois, moi je peux pas. Ça fait trop de problèmes à la maison. Moi, j'en peux plus. Ah, mais je comprends, c'est pas grave. Bon, écoute, si j'ai besoin de bosser, je viens vers toi. Mais... Ouais, si t'as besoin, comme toujours. Merci. Allez, tiens-moi au courant quand même, hein. Bise. C'était une fille, même pas sur ton frère, tu peux compter. Je sais pas comment je vais faire. Attention, ils arrivent, ça va. Cache-toi, là, pour ta mère. Mesdames et messieurs, bonjour. Bonjour. Nous avons reçu le signalement d'un cambrioleur qui se serait barré avec la barque qui est juste là-bas sur la plage. Avec la barque? Absolument. La barque là-bas? Madame. Vous ne l'auriez pas vu par hasard? Non, c'est un pêcheur, ça. Vous savez, ici, nous, on s'occupe que des clients. Hein, donc. C'est le signalement qu'on a reçu. Là, on boit le soleil, tout ça, mais non.